le prophète de Lévi-Lévial, qui nous rassemble ici par le canal du Saint-Esprit sur un thème qui s'intitule Il le maudit par ses dieux. Amen. Mais le prophète est dénommé championnat des dieux. Qui championnat des dieux? Championnat des dieux. Pendant que le prophète de Lévi-Lévial arrive, attendez la fin du Seigneur. Celui
Vous savez, parmi les hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu ordinaires. Et puis il y a ceux qu'on appelle des élites. Alléluia. Les élites, c'est ceux qui ont le secret des miracles. C'est des agents de changement. Ça veut dire que quand ils sont quelque part, le changement est obligé de se produire. Et si cet homme de Dieu est au milieu de nous ce soir, ça veut dire qu'il y aura changement dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Amen. C'est un prophète. Alléluia. Amen. Et nous, on l'appelle plus prophète, on l'appelle maître. Alléluia. Amen. Parce que chez les Hébreux, les grands hommes de Dieu, on les appelle Rabbi. Dis Rabbi est là. Rabbi est là. Dis Rabbi est là. Rabbi est là. Alléluia. Amen. Et pourquoi je vais demander, il est leader d'une grande église à Yopougon. Je vais demander au révérend prophète Blaise Guadio de se tenir debout. Et le peuple de Dieu va donner une grande acclamation pour les amis. Amen. À côté du révérend Blaise Poitier, homme de Dieu. Amen. Un grand homme de Dieu. C'est un prophète aussi. Alléluia. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'appelle affectueusement Sam. Je vais demander au peuple de Dieu d'acclamer le Seigneur pour le prophète Samuel. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. À côté du révérend Étienne, il y a un autre révérend. Alléluia. C'est un monsieur que j'aime bien. Amen. C'est un monsieur que j'aime bien et qui m'aime bien. Parce que chaque fois qu'il a un bout de temps et que j'ai un programme, il s'arrange à être là. Mardi, mercredi,
base de ça. Viens me jouer les petits détails noirs comme ça. Il y a un peu mess. Elle est de ton côté, côté de ta maman. Petit comme ça, noir, mess. Sa barbe, elle n'est pas blanche, blanche dedans. Voyeur. Amen. Travaille, et quand quelqu'un travaille,
Il dit que c'est pour le royaume des cieux. Pour encourager la personne. Amen. 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 Jésus a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Mais celui qui est avec nous, c'est que le diable, il faut qu'on va le combattre. Amen. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour le leader de cette église. Par la grâce de Dieu, très bientôt d'ailleurs, il ne va pas même s'en nous ici. Amen. Voilà, Dieu va t'amener à notre communion très bientôt. Amen. Vous vous amenez quelque part d'autre. Alléluia. Et c'est à partir de là qu'une œuvre va commencer. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et je vais bénir le Seigneur pour la vie de tous ses collaborateurs, de tous ces hommes de Dieu qui sont arrivés, de toutes les personnes qui sont au fourreau, au moulin pour la réussite du programme. Je pense que Dieu vous bénira au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On amène, c'est pas payé, il faut bien les ramener ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Tu vas prendre ta Bible rapidement. On va lire le livre de Ruth au chapitre 1, le verset 6 seulement. Le verset 6. Ruth chapitre 1, le verset 6. Puis elle se leva. Elle et ses belles-filles, oui, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab, et l'Éternel avait visité son peuple, et lui avait donné du pain. Et lui avait donné du pain. Celui qui a la parole, Dieu a quand même fait la parole de Dieu. Amen. Amen. Maranatha. On a dit de l'âme. Quand Goliath a commencé à l'insulter, ça a commencé à le défier. Et quand Goliath est tombé, il a pris son épée et il a attaché la tête de Goliath. Ce soir, je suis venu faire tomber tes têtes pour que toi tu puisses apparaître dans ta famille. Tu as appris une tête à tomber dans ma famille. Faut dire une tête à tomber dans ma famille. Faut dire une tête à tomber dans ma famille. Alléluia. Tu ne peux pas régner. J'ai ma mère et dans la joie pour t'avancer ce soir. Que c'est lui depuis longtemps. Tu bloques ton voyage. La personne tombe la mort au nom de Jésus. La personne tombe la mort au nom de Jésus. Que lui bloque ta santé. La personne. C'est une affaire de programme. Quand tu vis, tu as déjà tracé un programme pour toi. Le sorcier est là pour attaquer ton programme. Mais je te dis, parce que c'est moi, elle est loin d'accouchement. Quelque chose de moi. Le père, mais bien aimé, tu peux allumer la boulangerie, le père.
C'est pas la faveur. C'est pas la faveur. La Bible dit, Bertilé Bertin sous ses bénédictions. Il va laisser Bertilé Bertin et soit allé s'installer dans le pays le plus fertile de moi. Et arrivé là-bas, ils ont commencé à manger, ils ont commencé à danser, ils ont commencé à se vestir. Frère, c'est en sorte d'oublier que pertinent autrefois nous a rendu service. Je parle à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que c'est que tu dois laisser? Arrivé au moment donné de ta vie, tu as rendu service aux gens. Parce que le peuple, ce qui faisait ta force, a manqué aujourd'hui dans ta vie. Tout le monde a laissé pour toi. Je parle à une femme, peut-être que tu étais avec tes camarades. Dès la nouvelle envie de l'échange chez toi, peut-être que ça ne m'importe pas. Mais le jour qui a pris la vie de l'échange, elle dit, mais c'est la main, je savais qu'elle allait tomber. Amen. Mais Dieu veut te l'aider. Ce qui fait ta foi, Dieu arrête cela. À un moment donné, que tu voulais élever l'église, prier, que tu es la tête en prière, elle est mise en prison. Amen. Quand Dieu veut te l'aider dans ta vie, c'est que tu dis que tu peux te faire ta voix, ce qui te prend pour faire parler, Dieu arrête un peu pour moi, te consacrer. Quand je vois la personne qui te conjugue, on savait qu'elle allait tomber celle-là. Elle faisait trop mal tous les jeudis là. Elle chère d'habits ici. C'est pas le petit copain là qui a l'état limité. Elle allait là. C'est là qui parlait de mon nom. Mais bien aimé, c'est qu'ils ont oublié. Si le père a manqué, c'est que la farine a là. Elle est boulangée. Elle a commencé à juger. Son mari est mort. Ses deux enfants sont morts. En ce moment, bien aimé, elle a appris que Dieu a visité Bethléem qu'elle a abandonné. Quand tu vas de ta famille, j'annonce ta mort au nom de Jésus. Alléluia. Quand j'annonce ta mort de ton mystique au nom de Jésus. La mort de celui du prophète Amaya. La mort de ta peur. Au nom de Jésus. Bien aimé, la fin d'une chose. Tout ce qu'on vit sur la terre des hommes, touche à une fin. Or, la fin de toute chose est le commencement d'une autre chose. J'annonce à quelqu'un, après ce programme, le programme qu'on fait à partir de Jésus, c'est la fin de la vie. La boutique,
élévation. J'annonce à quelqu'un, après ce programme, Goliath tombera. Tu vas commencer par la zone. Tu sens que ce que Dieu te dit, c'est le contraire.
s'accomplisse. Pourquoi? Parce que quand Dieu a envie de bénir quelqu'un, quand Dieu te dit ma fille, tu vas te marier, il faut d'abord les imbéciles, d'abord trouver des amis dans ton mariage, avant que quelque chose de bon a envie de dire. Quand Dieu te dit d'abord une parole, c'est d'abord Dieu le permet qui s'accomplit. Amen. Tu vois la question? Mais c'est le temps qui a fait que la terre était informée et fine. C'est d'abord quand tu as commencé à mener ta vie était tellement bien, mais il y a eu un événement qui est arrivé dans ta vie. Le chaos, le choc a fait que ta vie est devenue informée et fine. Ta vie n'a plus de forme. Quand tu marches dans ton pont, tu ne sens plus le bout de la vie. Quand tu es là, tout est vide au bout de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un choc qui s'est produit dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais le verset qui suit, la Bible dit que la lumière sera et la lumière. Oui. Mais avant de dire que la lumière soit mise, la lumière fuit. Donc ça veut dire que Dieu lui met les deux pour ça. Noir. Dieu est où ça? Non, Dieu lui met la lumière et les deux. Vous comprenez ce qu'il dit? Come on. Vous avez peur d'une difficulté qui arrive dans ta vie. Dieu veut que Dieu l'a fait d'abord dans le noir avec toi. Oui. Avant que la lumière n'arrive, il faut d'abord le noir. C'est parce que la Bible dit, il y a eu un soir et un matin. La Bible n'a jamais dit qu'il y a eu un matin et un soir. Ça commence toujours le soir et puis le matin arrive. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand ta vie que tu es en train de vivre, quand tu sens le mort autour de toi, il faut glorifier Dieu. Amen. Il faut bénir le Seigneur. Tu commences à regarder tout de tête, rien ne va chez toi. C'est le moment pour toi d'adorer le Seigneur. Pour nous, c'est pas merci. Parce que je sais que le chien est plus loin pour moi. Seigneur, merci parce que je sais que ma mère est plus loin. Seigneur, merci parce que je sais que le pain souffre pour moi. Seigneur, on est plus content, il faut prier le Seigneur. Non, j'ai ma mère de plus le Seigneur. Maintenant, moi, je déclare. Quand je te mets devant le miroir, je dis Seigneur, merci pour mon glorieux mariage qui se passe à l'hôtel pour l'état de vos maquilles. Et Seigneur, merci parce que les lignes de bien, je ne veux pas les faire. Sur ma vie, parce que la Bible te dit que à tes résolutions répondra le succès. Quand tu es en train de boucher la bouche des gens et puis tu ne veux plus travailler, c'est que tu es en train de tuer toute une génération. Amen. Tes frères de soeur, ta famille, il faut les regarder. Si tu ne réussis pas là, qui va les arriver dans tes missions en train de vivre? Qui va les arriver? Tu es tout tourné dans ma vie. Tu marches par rapport à qui? Je parle à quelqu'un. Tu as toute une histoire à remplir. Tes petits frères, tes petites soeurs. Depuis combien de temps ils sont dans la galère? Depuis combien de temps les gens dans cette poche, tu vas partir de l'accueillir à l'aéroport? Toi aussi, pourquoi papa t'accueillir? Amen. Pourquoi tous les jours, quand une occasion se présente à toi, quand quelqu'un qui m'a dit que tu es découragé? Même le fou a des ennemis, ma fille. Si un fou rentre ici tout à l'heure, nous serons fumés, le fou avec quoi? Tu as béni, ma fille. Le fou avec quoi? Parce que le fou avec quelque chose. Quand tu t'appuies, même tu viens à la prière simplement, puis tu retournes, tu ne sais pas qu'il y a des gens jaloux de ça. Simplement, même parce que tu as appuyé, il n'y a même pas parfum sur toi, sont déjà jaloux. Mais pas imaginer faire de toi après ce programme, quand tu vas parler sans la prière. Quand tu vas les gens, quand tu le vois, alléluia. Quand tu as un de nouvelle à la tête, il est mal à la tête. C'est même pas parce qu'il a mal à la tête, c'est ta nouvelle qui fait qu'il a mal à la tête. Mon frère, il y a une nouvelle petite job à l'envers. Il dit avant la veille, mon Dieu. Je crois que le matin, vous avez des descendants pas bien. Tout à l'heure, tu descendais bien dans la vie. Ah, ma chérie, est-ce que tu n'as pas compris? Bon, Dieu, qui peut-être m'a conseillé de dire, mon chéri, là. Ah, bien oui. Ah, ça va bien déjà. Moi, c'est qu'est-ce que tu fais comme hier, là? Ça passe, hein? Le prophète Jean-Marie avait été dit, après ce programme, le nouvel qui va arriver, tes ennemis auront pris sa vie pour vous. C'est quand tout le monde a écrit ton ministère, on pense que tu vas rien aimer. Et puis dans ça, quand même là, Dieu s'arrange à te faire une place au soleil. Ça va mal. Vous imaginez quand ça arrête de faire une place, tous les autres fumaient la drogue, ou les gens étaient des cannabis. Est-ce qu'il peut sortir de quelque chose de bon de Nazareth? Parce que
délégués qui sont là-bas. Oh, délégués qui sont là-bas. Qui a construit parmi eux? Personne n'a construit. Habitez, ils ont toujours maison. Mais bientôt, quand ils vont dire, la jeune fille qui a carré Ramka Pata, la sœur Koubi. C'est pour la famille, on a ou bien c'est pour la famille, on a dit, si, dans les familles là, quelqu'un peut carrer voiture, je t'annonce que tu dis aussi, tu peux carrer la voiture. Oh, si, très bien. Avant d'attaquer à une personne dans la vie, il faut savoir d'abord celui qui est derrière lui. C'est pas là que je vais t'aider. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le pratique des gens simplement, et puis on décide, et puis on a pas une pièce, et puis il décide, il te dit, faut faire ce que tu veux là. Faut faire comme ça. Je parle à quelqu'un. Quand quelqu'un se met derrière lui, et puis il décide, puis il n'a pas une pièce, et puis il tremble. Lui, on dénonce derrière qui est derrière lui. Mais quelqu'un qui a 206 voitures, on est en train de rouler. Et puis il descend de la maison pour arrêter pourquoi? T'as qu'un problème. Et vos pétés, vos pas qu'est-ce qu'on fait pas? On fait attention. Vous avez papa derrière lui. C'est un colonel, ou bien c'est un gradé de l'armée. Lorsqu'il a touché, ton travail est menacé. Les gens n'attendent pas, ils ne savent pas qui est derrière lui. Amen. Les gens se forcent à te bouffer, à dire des choses, mais ne savent pas qui est derrière toi. Celui qui est derrière toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si les gens s'attaquent à toi, sois dans la situation et te mettront pas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Celui qui est derrière toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc ne crains même pas. Dans ce championnat des dieux là, au sortir de là, tu vas sourire au nom de Jésus. Tu vas retourner le sourire à ta famille au nom de Jésus. Tu vas retourner le sourire. Qui t'a fait pour faire la parole du Seigneur? Alléluia. Tu vas lever la main pour amener le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Il va dire à ton Dieu ce soir de la manière qu'a jugé les ennemis de Bethléem. Seigneur, juge mes ennemis ainsi au nom de Jésus. Tu viens quand tout le monde en train de prier. Que t'asseoir dans ma présence, c'est tout.
se décédé comme ça. Et votre mari? Il est là. Vous avez en prison, non? C'est ça. Voyons, parle, dis-nous. Il est malade. Il est attaché. Il chante en train d'attaché au même lieu. Parce qu'il y a. Oh là là. Il y a quelqu'un dans sa famille. Là, je n'ai pas dit. Si vous voulez, vous pouvez lui dire. Si vous ne pourrez pas, il vit. Là, il y a encore tout. Il ne mange pas. Ils l'ont déjà eu. Donc, pris son âme et puis ils ont mis dans le monde spirituel. Et quand on veut crier son nom spirituellement, on passe par l'un des par son fils qui est décédé là. Par votre fils qui est décédé là. Au niveau de la famille, ils sont en train de voir deux décès. En même temps que nous sommes en train de partir, il y a un des fils qui attend de le suivre. Vous m'entendez? C'est un esprit de sorcellerie très poussé. Mais il y a dans la famille là, il y a quelqu'un qui est proche de la base. Vous comprenez? Quelqu'un qui est proche qui est à la base. Faites attention, maman, vous-même. Faites attention. Là où vous êtes en ce moment, la maison est minée. La maison est très minée là où vous êtes en ce moment. La maison était déjà consacrée. Plusieurs fois. Qui allait consacrer? Quand il y a ton mari, pour photocopier son extrait de naissance 12 fois. Il n'est qu'à photocopier son extrait de naissance 12 fois. Ok? Quand il va finir, lui-même l'attrape ça et vous allez dans l'enveloppe 12 fois, il dépose ça devant lui. Il y a une action que vous allez poser après. Quand il va déposer le micro, on va se voir. Que vous allez poser. Après, vous dites à l'homme de Dieu, va partir prier. Quand ça va finir, l'action va finir, il va venir prier pour lui. Vous m'entendez? Il va venir prier pour lui. Ce n'est pas parce que c'est moins que lui. Hein? Vous m'entendez? Mais quand vous venez prier pour lui, ce n'est pas arracher son âme qui est dans le monde spirituel. Vous m'entendez? Ils sont passés par quelque chose de très important, puis ils l'ont eu. Il y a une histoire qui s'est passée, puis ils l'ont eu. Vous m'entendez? Mais quand on va prier, Dieu va faire grâce. Odette, c'est qui? C'est moi. Odette, c'est moi. Vous êtes quoi, Ébrie? Vous êtes né chez les Ébriers. Il y a une prière qu'on doit annoncer sur vous. Où est-ce qu'elle est-il? Je suis appelé. Vous êtes appelé. Là où vous êtes chez les Hébreux. Ah ok. Le côté hébreux est en train de voir. Un point qui est propre à Bobo Baoulé. Là-bas. Bon, on va prier. Ce que je vous ai dit là. Faites-moi si. Je verrai bien ce qu'on peut faire après. Amen. Voilà. Quand vous débrouillez le micro, vous serez sur ma prochaine moi. Ok? Je vais vous parler. D'accord, frère, pour le Seigneur pour toi. Amen. 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 Avant ça, je vais vous proposer de l'avant. Vous serez vraiment bénis. Amen. Vous serez...
vraiment béni. C'est en train de voir que il est vraiment riche financièrement. Vous n'avez pas tout à l'heure divorcé, vous n'avez pas dû aussi rester dans le foyer. Quelqu'un dira que maintenant, pour faire un peu orienté, non, comme ça on ne revient pas. Amen. C'est dans le même hôtel communal, dans la grande salle, il y a une révélation de l'humilité. Si elle décide d'aller frapper sa maman, elle n'a pas été mettre en prison. On m'a mis en prison, mais dormir, elle a mis la maison, elle est guérie. Amen. Donc maintenant, on dit un peu les paroles de connaissance. Moi, donné, monsieur, tout à l'heure, on va se voir. Il va vous montrer quelles sont les actions proposées. Amen. Amen. Dans votre bac, le dernier chez lui, apportez ça. Madame, on accorde très fort le Seigneur pour lui. Amen. Père, merci, sois glorifié, sois exalté au nom puissant de Jésus. Je veux te rendre toute ta gloire, je veux te rendre élévation pour la vie de tes enfants. Et je prie en fait que Seigneur, que tous ces mots qui ont pu toi devant de toi, qu'ils moissonnent au sanctuaire pour le nom de Jésus. Merci Père, pour leur destinée, que tu changes, pour la victoire que tu accordes à chacun d'eux, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. On accorde très fort le Seigneur. Amen. 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 Bertine, c'est qui? On reste une debout. Une maman nommée Bertine, c'est qui? C'est vous, maman? C'est vous? Robert, après ce moment, comme tu as poussé une action prophétique, la maman doit me voir. Elle doit prier pour elle. Ok? Que le nom de Dieu soit béni. Tout est devenu à quatre ans pour le Seigneur Jésus. Acclame encore le Seigneur. Merci toi de la présence de Dieu. Tu vas prendre ta pierre. Prends ton caillou. Sortez ton caillou. Soulève ce caillou là. N'aie pas honte. On me dit là, j'ai vu passer un pied sur le caillou, mais il est guéri du sida. Amen. N'aie pas honte, hein. Amen. Pas que le bonheur soit élevé. Alléluia. Faut pas t'abuser avec cette affaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant tu vas prier le Seigneur. Amen, s'il vous plaît. Maintenant tu vas prier le Seigneur. Amen. 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 On y a tapé 5 pierres parce qu'il avait 5 adversaires. Il était sûr de ne pas rater sa cible. Parce qu'un champion ne rate jamais sa cible. Il atteint toujours sa cible. Il ne rate jamais son objectif. Il atteint toujours son objectif. Alléluia. 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 Tu vas prier Dieu et tu vas dire, tu vas parler à la pierre qui est dans ta main. Tu vas dire à la pierre là, de se diriger vers tous ceux qui ont médité ta parole. Vers tous ceux qui veulent, qui ne veulent pas que tu réussisses. Vers tous ceux qui ne veulent pas que tu progresses. Vers tous ceux qui t'ont enterré. Vers tous ceux qui te maintiennent encore dans les problèmes et dans les difficultés. Vers tous ceux qui ne veulent pas que tu enfantes. Vers tous ceux qui ne veulent pas que tu travailles. Vers tous ceux qui ne veulent pas que tu te maries. Vers tous ceux qui ne veulent pas que tu voyages. Vers tous ceux qui ne veulent pas que tu aies de l'argent. Tu vas prier pour que cette prière aille les frapper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des moments à élever la foi. Et commence à prier le Seigneur. Je ne t'en ai pas prié, lève ta foi. Et prie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah,
prière, mets ta pierre. Tu vas répéter après moi cette prière, répète avec vie. Au nom de Jésus. Je crois.
Shatanabakara. C'est des gens, hein. Les ennemis sont en train de tomber. Les ennemis. Enlevez de la main les pierres. Parce que les ennemis sont en train de tomber. Vous pouvez demander vos pieds, levez vos mains. Demandez vos pieds, levez vos mains. Parce que ces ennemis sont. De Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a un Goliath qui a bloqué ton enfantement, c'est pourquoi tu n'arrives pas à enfanter. Mais ce soir, la mort est en train d'arriver vers lui. La mort est en train d'arriver vers lui. Il y a un Goliath qui a bloqué tes finances. C'est pourquoi tes marchés sont reportés. On prend un marché qui t'a destiné pour donner à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi. Les promesses d'argent ne se réalisent pas. Mais ce soir, tes goliaths soient en train de tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette soirée prophétique que tu as bénie. Merci de nous l'avoir donné et merci de nous avoir donné de participer à cette soirée. Que ce peuple retourne en vainqueur ou vainqueur pour revenir avec des témoignages de victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine soit un album de témoignages pour vos vies et pour vos destinées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a dit Amen trois fois, de répéter le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth.